LGBT. Quatre lettres pour définir une communauté, un mouvement lesbienne, gay, bi, trans, mais qui pourra en contenir plus ? Depuis l'Antiquité grecque ou latine, on faisait déjà des distinctions. Eh oui, les gens ont peur de la différence. J'ai des amis homosexuels. Au départ, pour moi, c'était conceptuel de pouvoir imaginer qu'un homme puisse être attiré par une femme. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est une évidence. Parce qu'on est unique. Le coming out. Les homosexuels sont très souvent dans les milieux artistiques, comme la mode, la musique, l'art, le cinéma. Ce sont des influenceurs. Alors pourquoi on les a tous regardés d'un mauvais œil ? Parce qu'on a associé le mouvement gay à la maladie qu'est le sida dans les années 80. On dit même que notre président Emmanuel Macron serait gay. Mais il est où le problème ? Ça veut dire quoi ? Qu'on doit juger les gens à leur appartenance et non à leurs compétences ? Le mariage pour tous ? Loi du 17 mai 2013 a fait en sorte que la France soit le 9e pays européen à accepter cette différence. Cependant, il y a de plus en plus d'agressions homophobes. Pourquoi faire à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse ? Respecte la différence.